Monsieur le Président, dans votre discours, j'ai l'impression que depuis la création de cette association jusqu'à actuellement, apporter des fruits. Oui, on a fait que de progresser, en fait, tout simplement, hein, avec le nombre, peut-être des fois restreint, de bénévoles, mais d'un esprit et d'une motivation exemplaire.
Donc il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Il y a besoin juste de la motivation et les adhérents, les bénévoles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation pour continuer cette belle entreprise, ce beau bateau hein, qu'est l'association. Dans votre discours tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'êtes pas assez nombreux dans l'association, mais ce que vous faites est, on va dire, 10 fois plus grand. Voilà, comme on dit, on n'est pas une grande association, on n'a pas beaucoup de matériel, mais on a des gens formidables. Et c'est ça qui fait en fait la grande association. Jusqu'à aujourd'hui, vous donnez des formations aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui veulent bénéficier de cette formation. Parce que dans le discours du curé, il avait dit que c'est de sauver des vies. C'est ça le principal dans l'association. Alors, le but d'une formation en secourisme, c'est apprendre les gestes qui sauvent, que ça soit à la maison, hein, parce qu'on sait que les accidents domestiques, bah, c'est eux qui sont les plus mortels, à la maison donc. Et puis, former que ça soit en entreprise, ou tout simplement, par exemple, demain, on est à l'école Tamahana qui nous a demandé de faire une initiation, gratuite bien sûr, au sein, pour les jeunes CM2. Donc pour dire aussi que vous vous déplacez aussi dans les archipels ? Bien sûr, hein, où on nous demande. Alors évidemment, hein, quelque part le voyage n'est pas gratuit, hein, ça c'est à charge de l'organisme qui demande. Mais oui, bien sûr, on rayonne sur toute la Polynésie. Est-ce que vous avez suffisamment de matériel pour donner des formations ? Oui, bien sûr, on a tout ce qu'il faut. Hein. Quand je dis on n'est pas une grande association avec son matériel, hein, on est agréé de sécurité civile, on donne des formations en secourisme, il y a une réglementation, donc tout est réglementaire et le matériel, bien sûr, est bien présent. Est-ce que l'UNAS Polynésie a un attachement aussi en métropole ? Nous sommes la délégation de Polynésie, de l'UNAS, France, hein, bien sûr. Hein. Donc nous sommes les petits derniers, d'ailleurs, hein, de la grande structure nationale de l'UNAS. Monsieur le Président, non seulement aujourd'hui c'est l'inauguration de cette structure, mais également vous avez rendu honneur aussi à trois de vos bras droits. Bien sûr, tout seul, de toute façon, on ne fait rien. Et une association, c'est justement, hein, comme son nom l'indique, et en plus nous, avec notre nom de UNAS, Union Nationale des Associations de Secouristes et Sauveteurs, c'est l'association des bénévoles qui font que bah, tout peut être réalisable. Et bien sûr, mettre en avant trois personnes qui le méritent depuis des dizaines et des dizaines de fois, c'est vraiment le strict minimum. Il y a plusieurs choses qui me marquent. Le décès de mon épouse, mais avec ma fille de cœur que j'ai citée tout à l'heure, Kuerava Teori, cela va continuer et le flambeau sera repris. Marururoa.